Allez, petit tirage à trois cartes. Celle de gauche représentera le passé, celle du milieu le présent et celle de droite le futur. Allez, on va aller chercher ces trois cartes avec l'oracle de Marseille. Alors, on nous parle d'un engrenage pour la carte du passé. Le présent, on a l'imprimeur. Et le futur, on a le rêve. Bon, eh bien, peut-être que vous étiez parti dans quelque chose. L'engrenage pourrait nous parler d'une addiction. Vous étiez lancé dans un engrenage absolument pas confortable, visiblement ici. Puisque l'imprimeur au centre nous parle du présent. Il nous dit aussi que vous tentez peut-être d'imprimer de nouvelles pensées dans votre esprit. Lui, il imprime, mais regardez à partir de quoi vous imprimez. Si on imprime des nouvelles pensées, peut-être des nouvelles façons de faire, de nouvelles habitudes. Ici, on vous demande, pour écraser et effacer ces anciennes habitudes, on vous demande d'en imprimer de nouvelles dans votre esprit, dans votre subconscient. Jouer avec de nouvelles idées. Et derrière, la carte du futur qui nous parle du rêve, on vous demande bien d'imprimer peut-être au présent plus d'idées et d'images qui ressemblent à ce que vous rêvez de mettre au monde dans votre expérience de vie. Regardez le dos de deck comme il est beau. On nous parle de la roue de fortune. Mon Dieu, ici, la roue de fortune avec la paix. Avec la mort, ici. Non, mais vous pouvez vous créer un futur exceptionnel. La carte de la paix peut nous parler aussi d'une réconciliation. Vous partez ici dans une série. En tout cas, dans votre expérience de vie, vous pouvez vous créer de nouvelles émotions, de nouvelles choses. Et ça me parle quand même beaucoup de réconciliation, de paix. On fait peut-être la paix avec quelqu'un. Mais là, on vous demande d'imprimer de nouvelles pensées dans votre esprit. Aidez-vous de vos rêves. En tout cas, vous partez pour une belle, belle, belle réussite et une belle réconciliation.